Prends ta Bible sur Exode chapitre 10. Et nous allons lire le verset 7 jusqu'au 11e verset. Nous prions à notre lecteur que nous lise la parole dans le nom de Jésus. Son éminence, l'évangéliste Eric Banda, a tangé du son à combine à compondre Jésus-Christo. Salut à Fano, par l'obinaïe. Jusqu'à quand cet homme serait-il pour nous un piège? Qui nous tamponne les motos pour la peau de la mission et qui servent l'éternel, leur Dieu. Mais pas salé l'encolo, Zambé Navago. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? Yo, au sommet, un peu que pendant l'Égypte, tu vas au bouffa. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Amen. Leur dit-il, savez l'éternel votre Dieu. Pharaon, Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos biens. Nous irons avec nos enfants et nos biens. Avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête à l'honneur de l'Éternel. Car c'est pour nous une fête à l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, je vais vous laisser aller. Le col à paix, la coïncoti capine, le col à paix, la l'air est devant vous. Ah, au Kéba, te recèle de la pointe. Vous les hommes et servez l'Éternel. Et la présence de Pharaon. Ainsi dit l'Éternel. Acclamons très fort. Alléluia. Et vous allez comprendre quand nous vous disons de temps en temps, la délivrance c'est un processus. Si un homme de Dieu, une personne te dit que tu es totalement délivré, c'est faux, il vous ment. Vous allez comprendre que même Moïse devant Pharaon, il a fait des efforts, il a multiplié des efforts, il a fait des va-et-vient pour que Moïse, pour que Pharaon lui lâche totalement, définitivement. Et cette histoire que nous sommes en train de voir à ce lieu, c'est l'histoire type de vraie délivrance d'un enfant de Dieu. Il n'y a pas une autre histoire de la délivrance que c'est que le peuple d'Israël a vécu face à Pharaon. C'est Moïse, mais Moïse n'a pas et tous ceux qui vous disent, venez, vous recevrez, venez, vous ferez comme ça, non, c'est faux. Parce que même devant Pharaon, c'était un processus. Et hier, nous avons parlé de la délivrance des chrétiens non éloignés du monde. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne sont pas éloignés du monde, ne sont pas éloignés de la servitude de Poutine à cause de Pharaon. Nous voyons dans beaucoup de nos familles, les choses ne marchent pas. Et pourtant nous prions. Ici nous ne parlons pas des païens. Les païens c'est l'image de l'Égypte. Ici nous parlons d'un peuple choisi de Dieu. Dieu a choisi un peuple qui était en esclavagisme. Il veut leur délivrer. C'est-à-dire que les enfants de Dieu.
Israël c'est l'aîné dans la foi. Israël les amis va colocar. C'est Dieu qui a voulu utiliser Israël par sa souveraineté. Et il appelle Moïse. Il dit, je vis les souffrances de mon peuple. Comme je vous avais dit l'autre fois. En réalité, tout ce que nous craignons, ce n'est pas vrai. Je connais nos problèmes. Je connais ce qui se passe dans nos vies. Je connais ce qui se passe dans nos familles. Dis-toi, Moïse, délivrer mon peuple. Il a utilisé Moïse. Moïse, d'ailleurs, il criait parce qu'il était déjà vieux. Je vous ai démontré l'âge de Moïse. Je vous ai démontré les étapes de Moïse. Il a fait 40 ans dans la jeunesse en Égypte. Et les 40 montrés, il a fait dans le désert de Madian. Et c'était que le 40e, c'est-à-dire dans les 80e année, qu'il a commencé la délivrance, le périple de la délivrance face à Pharaon. Et ce qui était important, mon Pharaon avait accepté, mais il a dit, n'allez pas très loin, vous allez tourner à rond à côté de moi. C'est l'image de beaucoup de chrétiens. Nous travaillons comme si nous ne travaillons pas. Vous voyez, vous avez des belles enfants à la maison. Vous avez des diplômes. Vous avez des affaires. Vous vous battez pour faire quelque chose dans la vie. Mais vous, vous n'éloignez pas de l'Égypte. Votre vie est limitée. Vous pouvez monter, monter, mais jusqu'à ce que vous allez descendre. En fait, libérez le peuple. Votre vie sera toujours au rond-point, comme on l'a dit. Et nous sommes là, beaucoup de nos familles. Si vous regardez dans nos familles, vous verrez que beaucoup sont en rond-point. Ils tournent et en rond. Toute une famille, toute une grande famille, les chefs ne montent pas, ne percent pas. Ils tournent et qu'est mais lorsque vous regardez les autres familles, j'ai connu une famille qui, jusqu'à présent, il est resté parcelle, c'est une parcelle, une grande parcelle avec plus ou moins 7-6 chambres. Mais par contre, qu'est-ce que nous ne voyons pas ici? Il y a même des enfants qui dorment au sol. Il y a même des familles, des grandes personnes qui sont ensemble. Femmes comme Messie, masculines comme féminines. Nous sommes entassés. C'est parce que les diables ne veulent pas que vous allez à ma fond. Vous vous éloignez de lui. Il vous bloque. Il dit que oui, priez votre Dieu, mais ne vous éloignez pas. N'allez pas plus loin. Je vous surveille. Vous serez toujours à venir. Si vous vous fatiguez de votre Dieu, rentrez vers moi. Et c'est ce qui s'est passé. Mais Dieu a fait c'est là. Et il a dit à Moïse, la deuxième des choses que tu vas demander à Pharaon, que tu dois prendre toute ta famille pour aller de loin, là où je vais vous annoncer, là où je vais vous montrer. Bien-aimé, écoutez-moi. Chacun de nous a un destin. Dans les toits familiales, ils sont là parce qu'ils n'ont pas la révélation.
révélation de ce que tu entends dans ce lieu. Voilà pourquoi je te dis, comme je l'ai dit hier, tu dois quitter, tu dois avancer, ta vie doit avancer, tes affaires doivent avancer. Tu es loin si tu crois ce message. Acclamez-moi les frères. La vie de tes enfants. La vie n'était pas. Il faut aller plus loin. Il faut accepter que nous avons un destiné. Personne Dieu l'a appelé pour rester sur place. Dieu ne t'a pas donné cette intelligence, cette force pour que tu fasses des tours de va-et-vient. Il faut qu'il y ait des montées, des versets. Et vous rencontrez dans les festins, dans les activités. Chaque jour, Délivrance. Ce que Moïse a négocié, ça dit Moïse a beau solo là devant Pharaon, négocier la Pharaon. Avant même que Moïse, il y a beaucoup de Moïse négocie la troisième délivrance à solo là au Congo là bas ça vers Pharaon. Bana. Il commençait déjà à souffrir. Ses acolytes, ses associés commencent à se chambarder. Ils sont venus vers Pharaon. Il dit jusqu'à quand ce peuple, cet homme, sera pour nous un obstacle. Oh my God, Scudo, everybody Jesus. Yes. Et moi qui vous parle, mais je sais que je suis plus que vainqueur. Il commençait à dire à Pharaon, libérez ce peuple dans ce qu'ils ont passé à Télémi. Bakita Bamata. Zambela Sima. Yebo kwaza kotina. Meko. Yeba kate souka souko kosala nini. Les choses horribles sont frappées du côté des pharaons. Réellement on fait des grandes morts. Et hier, Dieu a dit à Moïse, élève le main. Comme il avait fait dans la vie de Moïse.
Alors parce que vous avez beaucoup parlé, qui sont alors qui vont sortir pour aller servir votre Dieu? Ils sont abondamment occupés à Satana, là-bas, ennemi Nayo. On a vraiment équation à négocier Nayo. Parti du colo. Moïse, Pharaon a appelé Moïse. Il a dit, l'homme, tu m'as demandé de vous libérer des chrétiens noyés dans le monde. Hier, tu es revenu pour demander les chrétiens, les gens que j'avais dit qu'ils ne soient pas éloignés. Mais aujourd'hui, tu reviens encore. Qu'est-ce que tu fais? Nos enfants, nos vieillards, écoutez, nos fils, nos filles, avec nos biens, nos boucs, car c'est par cela que nous allons honorer notre Dieu. Acclamez-moi, qui a amené qui aujourd'hui? Nana Mimi Moto à lui. Qui l'élève lui-même? Nana Mimi Mouniga à lui. Qui est avec toute sa famille ici? Qui Nana Zana Nikota à lui. Yes, ça va mon ami. Vous avez prié, nous montrons à lui. Les deux parents. Favorez à lui. Avant que tu donnes le minerval, Vous pouvez faire tout.
Moïse a dit, Moïse a dit, je ne suis pas venu négocier quoi que ce soit. Nous enfants, nos enfants, nos femmes, nos vieillards, nos jeunes filles, pour la toute première fois, la Bible sépare les garçons et les filles, nos filles, nos hommes, nos vieillards. Pourquoi yes. Dans la personne va m'aimer, va go talola. Elle m'aime. Ne va m'aimer. Elle est petit-fils. Ne va m'aimer. Il dit je ne laisserai personne. Je ne laisserai personne. Mon côté. Je ne laisserai personne. Moi je suis venu. Vous dites que l'air est là. Nous devons sortir. C'est et nous devons sortir. Toute notre famille. Alléluia. Alors, bien sûr, beaucoup d'amour à la croix. On ne peut pas le ramener à rien.
Si tu n'arrives pas à faire ça dans ta famille, il y aura quelqu'un d'autre. Aux alas de totalement délivré. Moïse a libéré, même côté Moussoussou, Pharaon a libéré, côté Moussoussou, à Kobo Yalobi, la gêne bino, banda, gêne du bosso. Même pas le bosso, la bino, ma tama, les autres, c'est la bino. Beaucoup de problèmes dans nos familles. Voilà pourquoi vous mettez au monde, mais vous ne mettez pas les cœurs de hommes. Vous ne pouvez pas imaginer dans votre famille qu'il pouvait avoir telle ou telle personne. Parce que le diable fera tout pour changer les cœurs des personnes, pour que le malheur arrive toujours. Voilà pourquoi les autres, malgré qu'il a amené déjà toute sa famille, mais le malheur est toujours là, parce que c'est prédit par Pharaon. Il a déjà prévenu, il y aura des malheurs, mais mieux vaut que ça soit ces malheurs là que vous allez combattre de jour au jour, que tu sois toujours en esclavagisme en Égypte. Si cet ennemi-là
S'il est dans ta famille, s'il est dans ton contrée, si c'est ton ennemi, c'est ton adversaire, s'il est dans ta belle famille, s'il est dans l'auditoire, dans l'université, dans la société, il va goûter le lot. La puissance de l'armée céleste. Il faut que ta famille soit libérée. Il faut que ton mari soit libéré. Il faut que ta femme, tes enfants soient libérés. Il faut que tes parents soient libérés. Imaginez que Osama Batikayote. Maladie, nous sommes à Mokini, à Mokini, à Mokini, à Mokini. Il a qu'il m'a béni soit mon kila moni de vos salanini. Malédiction, yo soit aligné, mana et batoba, bota, te baba la terre, vos salanini. Il faut que totalement vous pima. Yes, amen. Les lois accoudima. Amen. Les lois accoudima. 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 Yo mon côté. Yo mon kima na baïa. Yo n'y en soit pas à la maman. Yo m'a amené à bien. Yo m'a amené à bien. Thank you.
entendu du Pharaon. Moïse a tendu sa verge sur le pays de l'Égypte. Yes. Je n'ai pas. Il a mis l'aide dans mon ange. Je n'ai jamais connu un féticheur. Je n'ai jamais négocié avec le diable. Je n'ai jamais fait des fables devant la chair de l'Éternel. Je n'ai ni or ni l'argent. Je n'ai cette verge. Et je vais vous les présenter comme un arbre puissant. Je suis bien simple mandataire. Mais je crois bien la puissance de mon Dieu. Aujourd'hui, tu vas sortir. Aujourd'hui, tes enfants vont sortir. Aujourd'hui, vos filles, vos fils, vos parents. Aujourd'hui, votre mari va s'identifier. Aujourd'hui, votre femme va sortir aujourd'hui toute ta famille. Il suffit seulement d'avoir cette volonté, cette foi, de faire sortir des enfants là où les diables les a arrêtés. Sortir ton mari là où les diables les a plongés. Là où tu travailles, là où tu vas. Dans la même famille. On n'a pas besoin de ça ce soir. Ce soir, on a besoin des pharaons et de ses disciples. Si c'est le tour dans ta famille, c'est son problème. Si les gens t'arrivent, ne manque jamais dans ton pays que ces moustiques se transforment au sauterelle. Yes. Ceux qui ont essuyé le nom, ils ont été mougiwana, les amougiwana pour la sauterelle, pour le zambakini, pour la mokosa, et soyez la tchoto, la sikayo, la ciel moukayo, à bois kayo, à bois kamana. Yes, amen. Délivrance, Yabandekolanda. Délivrance, Yabandekolanda.
Thank you.
L'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays. Toute la journée et toute la nuit. Quand fit le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays de l'Égypte. Et se posèrent dans toutes les étendues de l'Égypte. Ce qui a
Tu as donné ce sacerdoce à Moïse. Oui, Moïse l'a fait dans son époque. Moïse a qui a et moi je l'ai fait dans mon époque. Salle, Moïse est pris là. Moïse a, Moïse a été aussi succédé. Moïse a soit et moi je succédé ceux qui ont succédé Moïse. Je suis le mandataire de cette communauté de tu m'as inspiré de délivrer ton peuple. Voilà pourquoi je le fais. Dans ce troisième jour, je déclare la délivrance dans leur famille. Tous les chrétiens qui n'étaient pas éloignés de l'Égypte, à partir de leurs enfants, les filles, les garçons, les petits enfants, les grands enfants, les vieillards, les frères et sœurs, les amis et connaissances, les fiancés, mariés et épouses, et ce que je n'ai pas cité, je déclare les délivrances totales de l'homme. Tu libères ce peuple dans le nom de tu marches, tu sortes, tu avances, tu ailles à l'avant dans l'air destiné dans le nom de aujourd'hui. Tu vas te voir rencontrer les obstacles à tout lieu. Tout endroit, tout y sera, tous les enfants seront, tous les